Ouais. Oh mais putain. Oula. Mais non. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Oh là là, mais n'importe... N'importe quoi. Oula. Ah ouais, d'accord. Comment dire? Oh ouais, mais...
Oula. Super. Super. Okay. Oula, oula, oula. Attends. Putain. Oula. Super. Haute. Thank you.
Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Putain. Oh là 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 là. Putain.
Ah ouais, mais là... Super. Super. C'est une chose. Ah ouais, mais attends. Oh putain. Oh putain.
Même pas une balle qui touchait. Ah non. Ah non. Attends, c'est le prix. Ah non. Oh putain. Oh putain. Super.
Mais non, mais qu'est-ce que... Oh là là, mais non, mais... Mais bordel. Attends, je rêve. Peur, haute. Oh, ça peut être gros.
Super. Oh, c'est pas bon ça. Tiens, je me suis vraiment pas aimé. Oh putain. Oula, ah ouais, comment? Putain. Oh là là, mais putain. Oh, attends, mais à peine j'arrive. Hein. C'est que c'est dans Lyon. Dans Lyon 89. Bah j'habite dans le même coin que Pascal. Apparemment, Pascalou, j'ai cru comprendre qu'il habitait dans l'île aussi. Enfin, je crois, hein, je... Une fois, je crois qu'il l'avait dit, il habitait pas loin de... Auxerre ou... je sais plus où. Enfin, bref. Donc, je crois qu'il est... Il me semble que j'habite dans le même coin que lui. Il me semble. Voilà. Pas dans le même coin, hein, mais dans la région, quoi. Il me semble, hein, je voudrais pas côté de connaître, mais il me semble. Il me semble.
Attends, il passe à côté. Oh, attends, il transperce l'arme. Il passe à travers. Mais il me semble, hein, faudrait confirmer, mais il me semble. Pas sûr, mais il me semble. Si ça se trouve, il habite dans un bled paumé, Pascal ou moi. Ça se trouve, il habite dans un bled paumé, hein. Parce que tu sais, Lyon, il y a des grandes villes comme Auxerre, Dijon, Sens et j'en passe. Mais il y a aussi des toutes les bleds à côté. Il y a aussi des toutes les bleds. Comme moi, j'ai ma tante, par exemple, elle habite vraiment dans un trou paumé, quoi. Il y a, comme on dit par chez nous, il y a trois pèlerins et six pouilleux, quoi. Donc, il y a trois pèlerins et six pouilleux. Donc, tu vois un peu le truc, hein. Bah, il doit connaître, hein. Il doit certainement connaître, hein, parce que, ouais. Il doit très probablement connaître, hein. Il doit être probablement connaître. Quatre pèlerins et six pouilleux. Ah non, c'est même plus, non. C'est même pas comme ça qu'on dit, c'est trois pouilleux et quatre pèlerins. Enfin, bref. Bref. Un trou paumé, quoi. Un trou paumé. T'as des villages, par exemple, t'as la mairie. T'as la mairie annexe, parce que c'est pas une vraie mairie. T'as la mairie annexe. Puis t'as un cimetière. Parce que il y a toujours un cimetière. T'as un cimetière. Une église. Petite église. Puis voilà, quoi. Une fois, avec un copain, on avait été à un camping. Une fois, comme ça, dans les débuts qu'on a été au camping. Et il y avait un petit village. Mais vraiment, enfin non, c'est même pas un village. C'était même pas un village, c'était un lieu dit. Et on n'était pas les moins gardés. Hein. On n'était pas les moins gardés. Hein. Parce que dans les petits villages, comme ça, tout le monde se connaît. Donc, quand il y en a un qui n'a pas une tête de l'emploi, on va dire. Qui n'a pas la tête du village... Y a pas la tête du villageois ou quoi que ce soit. On va dire que ça se voit, quoi. Ça se voit. C'est comme je suis sûr que chez toi au Québec, c'est pareil. Dans les villages reculés qui doit y avoir par chez toi au Québec, je suis sûr que s'il y a un Français qui vient par là, qui vient des parages. Et piqué pas québécois. Enfin, tu le reconnais, quoi. Tu le reconnais tout de suite, quoi. Et ben non, c'est pareil.
Nous, chez nous, c'est pareil. Nous, chez nous, dans les villages, quand tu viens de la ville et puis que tu viens dans un, que t'es dans un petit village, bah, on va dire que tu, on va dire que voilà quoi. Bah dire que t'es pas le moins grané quoi. Une fois j'ai un copain de lycée qui était avec moi. On va dans un village, c'est dans un petit village, c'est un petit village où t'as 3 pouilleux et 4 pèlerins. Et il était avec un bob sur la tête. Et bah on n'était pas les moins regardés. Hein. Enfin, surtout oui. Surtout oui. Avec un bob sur la tête, je veux dire. Toi, c'est comme si que toi, on allait dans un village très très éloigné québécois, que je me ramenais avec un bob sur la tête. Il dirait, oula, qu'est-ce que celui-là ? Il dirait, oula, qu'est-ce que celui-là ? Il est pas de chez nous, celui-là ? Il est pas de chez nous. Là, il est pas de chez nous, celui-là. C'est comme ça qu'on voit les... Par chez nous, c'est comme ça qu'on voit les... C'est comme ça qu'on voit les touristes. C'est comme ça qu'on voit les touristes. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les touristes. Bah viens dans un village bien français, un trou paumé, bah crois-moi que le trou paumé, on va te tilter. Hein. On va tout de suite dire, oula, lui. C'est Benzo. Il dit, oula, lui. Pas de chez nous, celui-là. Il est pas de chez nous. Ah, bah, tu peux demander à Pascal ou, hein. Tu verras. Bah, si Pascal est honnête, il te le dira. Si Pascal est honnête, il te le dira. Après peut-être que Pascalou il habite en ville, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que lui il habite en ville, hein, je sais pas. Hein. Il habite peut-être en ville. Mais en tous les cas, s'il habite dans un bled paumé comme ma tante, quoi. Et des trous paumés, parce qu'il manque. Hein. Des trous paumés, c'est parce qu'il manque. Les merdes. Trois pouilleux et quatre pèlerins. Oh putain. Ok.
Soupe. Oula, ah ouais, d'accord. Eh merde. Eh merde. Oh putain. Eh merde. Oh putain.
Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Eh ben non. Bon. Bon bah les gars, moi c'est pas que je m'ennuie, hein, mais moi je vais aller faire mon petit tour. Même si chez moi il fait pas froid. Hein. Voilà voilà. Bon c'est les. C'est commencé à se couvrir, donc ça il va peut-être faire un peu moins chaud. Hey, hop. Tac. Bon bah en tout cas, merci d'être passé les gars. KZD de Enzo. Puis voilà quoi. Hey. Kenzo. KZ. Attends. 15. 14, 13, 12, 19. Bah, toi, vu l'heure qu'il est chez nous, doit être, toi, ça doit être le, toi, ça doit être le matin, parce que toi. Bah, bonne matinée. Bon début de matinée, parce que ce début il doit être 9h, je crois, 9h. Voilà. Voilà, voilà. Puis toi, Enzo, bah, je sais pas. Hey! Et merci de passer en tout cas. Tac, et.